le championnat, c'est 38 journées, hein, c'est pas 5 journées. Donc, non, je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on sait faire, ce qu'on fait de bien, pas se prendre pour d'autres, parce que le chemin est très très long et c'est pas un sprint, c'est toujours c'est un marathon, la Ligue 2, c'est très compliqué, tous les matchs sont compliqués, disputés. Donc je pense que c'est. Voilà, il faut être le plus régulier possible. De toute façon, c'est les équipes qui seront en haut. Mais je pense qu'on a les capacités et les qualités pour le faire. On est quand même souvent ensemble, donc sur le terrain et même par des petits conseils. Après, on a le staff technique qui est là aussi, qui est très compétent, qui ont tous joué à haut niveau, donc ils connaissent le football par cœur. Donc non, après c'est sûr, ils sont à l'écoute, ils progressent, ils nous font gagner des matchs donc, quand ils rentrent, donc non, c'est top. Le plan offensif, je pense que on a jusqu'aux 20 derniers mètres, on arrivait à trouver de bonnes passes, à les déséquilibrer, et puis après il nous a manqué ce dernier geste, cette dernière passe pour pouvoir marquer, pour pouvoir ouvrir le match, quoi. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un bon match et il manquait que cette réussite offensive. Tous les points sont bons à prendre. C'est un match à l'extérieur avec une équipe d'Amiens qui était solide. Il faut dire ce qui est. Et puis, je pense qu'on avait l'opportunité de le faire quand on était à 11 contre 10. Après, à 10 contre 10, ça a été un peu plus compliqué. Ils étaient chez eux avec l'engouement du public. Je pense qu'on avait laissé passer notre chance, entre guillemets, même si on a eu des situations après par la suite. Mais je pense qu'on déjà on peut plier le match en première mi-temps. J'ai manqué un peu de réussite, mais ça fait partie du foot, hein, c'est comme ça, on peut pas tout réussir. Et non, j'espère que samedi, je vais ouvrir mon compteur but. Match compliqué, comme tous les matchs. Quand on a reçu Dunkerque, beaucoup de personnes qui pouvaient se dire ouais, ça va être facile, on l'a vu que ça a été très compliqué. Tous les matchs sont compliqués en Ligue 2, donc c'est un adversaire l'année dernière qui a fait les playoffs. Même s'ils ont perdu quelques joueurs, ça va être un match très très compliqué. Il faudra qu'on prenne les 3 points. À Amiens, on a fait un gros match, on n'a pas gagné, on n'a pris qu'un point. Dunkerque, peut-être un match un peu négatif dans le bon sens du terme, et on a réussi à gagner. Donc après voilà, je pense que les 3 points c'est la chose à aller chercher quoi qu'il arrive. Après, si ça passe par des performances un peu plus compliquées, ben, tant pis, on prend. Après, si on fait un gros match et on prend les 3 points, ben, ce sera tant mieux pour nous tous. Je pense que les matchs à domicile et à l'extérieur, c'est pas du tout les mêmes. Il y a beaucoup d'équipes ici, quand on joue à domicile, qui vont nous attendre. Donc il n'y aura pas beaucoup d'espace, c'est le plus compliqué. Et à l'extérieur, il y a plus d'espace, donc on va dire qu'il y a plus de situations favorables. Après, c'est sûr qu'avec l'aide du public, quand ils nous poussent et tout, c'est toujours un petit plus et c'est très important. Et j'espère qu'ils viendront nombreux ce week-end. On est tous dans le même bateau et on compte sur vous pour nous aider à obtenir les 3 points.